tiaru pe la gogo mi vo mi no muto. Le chemin de Dieu, moi, c'est un chemin difficile. Si tu veux entrer dans le royaume, alors change ta vie. Cesse de tenir de tes propos, ses propos souillés, ses propos pervertis. Cesse de les tenir. Blé mama oui, ma sobo. Titi ma oui. Titi ma we ma so ba o aye na ma gla wo de ela me ka ma so bola ble ma ma we ma so ba o awo na ma gla wo de la Ameka masuboha ble mama we masubo wenye mau mavo mavoto. Et c'est toi le Dieu éternel. Ode kanye mau. Tu es le seul et unique Dieu. De kamagalio. Il y en a plus d'autres. Ode kanye subo. C'est toi seul que nous servirons. Et nous te confions nos cœurs en ce instant. Et ta gloire descendra sur nous. Et descendra sur tes enfants dans leur maison. Et partout où ils se trouvent. Et la puissance de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Afin qu'en ce jour, toutes les œuvres du diable sont détruites. Et tu as couvert ainsi tous tes enfants. Afin qu'aucune maladie ne les touche. Le coronavirus n'atteindra personne. Et la puissance de Dieu agit dans la vie de ses enfants. Et tu es digne de gloire et de louange. Et continue d'agir dans nos vies. Et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Salomon tabla à Shekelia. Psaume 90. Et ce matin, nous lisons le verset 2. La parole dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La parole dit qu'avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le monde et la terre, l'Éternel est le seul unique Dieu. Ceci démontre que il est le créateur de toutes choses et a planifié, programmé toutes choses. C'est à ce niveau que nous allons comprendre Dieu, qu'il a un programme pour toutes choses. Et quiconque lui donne sa vie, le programme de Dieu agit dans sa vie. Et la puissance de Dieu agit dans sa vie. Et Dieu le garde. Et il le nourrit. Et il le délivre de tout mal. Le mal viendra. Les événements fâcheux, ils viendront. Mais en arrivant, et cela n'inquiète pas Dieu. Nous kataye. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il a planifié, qui peut le changer? Qui?
Et où est-il celui-là? Et d'où vient-il celui-là? Et qui peut changer les actions de l'Éternel des armées? C'est un programme qui peut les renverser. C'est pour cela qu'il rit tout un petit peu en disant, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. L'Éternel des armées, il est assis au ciel et fait de la terre son marchepied. Et ses yeux parcourent toute la terre. Et constamment. Et pas qu'il va jeter son regard d'abord. Et parce que tout est devant lui. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes maintenant, pour que tu sois d'accord de tout ton cœur, que Dieu soit le premier dans ta vie et le dernier dans ta vie, et de lui confier tout ton cœur, que toute ta vie soit à lui et que tu ne regarderas plus derrière et sans regarder à autre chose, mais plutôt de t'abandonner entièrement à lui, alors tu verras la gloire de Dieu avant que les montagnes fussent nées et que la terre et le monde soient créés. L'Éternel est Dieu. Il est l'unique Dieu d'éternité en éternité. Pour cela, si cela peut arriver dans ta vie aussi aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel soit Dieu dans ma vie, et ce, éternellement, que sa puissance œuvre en moi, et de faire sortir toute action de péché de ta vie, alors tu verras la puissance de Dieu. Et quand tu te mettras debout, tu le lui diras: Seigneur, me voici. Tout apparu dans ce monde parce que c'est toi qui les as créés. Ta puissance est immense et tu es coriace et tu es puissant et personne ne peut l'emporter sur toi. Et si je te donne ma vie et entre en moi, et que le péché qui est en moi soit consumé, toutes les œuvres de Satan soient consumées dans ma vie, afin que l'on contemple la gloire de Dieu en moi. Mets-toi debout maintenant et ferme tes yeux, élève tes saintes mains et commence à le lui dire, car Dieu t'attend ce matin afin que tu lui dises ce que tu as dans ton cœur, car personne ne peut arrêter Dieu. Tout ce qu'il a programmé, il a programmé, il a formé un projet spécial, mais il t'aime. Il veut que sa gloire entre dans ta vie, que sa puissance t'anime, que ses paroles entrent en toi. Pour cela, dis-le lui ce matin: Seigneur, me voici, j'accepte de tout mon cœur de vivre pour toi, de te servir, de t'exalter et de célébrer ton nom d'éternité en éternité. Alors Seigneur, me voici, à partir d'aujourd'hui, le Saint Sang de Jésus-Christ qui ôte de ma vie tout péché et lave-moi dans ton sang, car Dieu, tu peux le faire pour moi. Je le crois de tout mon cœur et je le confesse de ma bouche. Aujourd'hui, à ce jour, je suis dans une nouveauté de vie. Je ne retournerai plus derrière. Alors Seigneur, me voici, que cela se réalise dans ma vie, que je renonce à tout péché, tout ce que Satan fait, je renonce à toutes ces choses pour que la puissance de Dieu entre en moi. Je te loue ce matin, je t'exalte ce matin, Éternel Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux de la terre et tout est soumis à lui. Aujourd'hui, et tu as posé ta main sur moi, et une nouvelle puissance est rentrée dans ma vie, et j'ai pris mon envol comme aigle.
Dieu, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, qui descend dans moi, et tu as soufflé sur moi ce matin, et le Saint-Esprit est entré en moi, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, toutes choses, toutes choses, que je ferai sera selon ta volonté. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui j'ai cet assurance dans mon cœur. Et cet accompli dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Et dis à Satan. Que cette affaire c'est entre moi et l'Éternel. Je n'ai aucune affaire avec les démons. Aucune affaire avec le péché, toute mauvaise vie, le mensonge, le vol, l'adultère, je renonce à toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. La perversité, je renonce à toi aujourd'hui. Sors de ma vie et tout ce que Satan fait et pour détruire la vie des gens, je renonce à ces choses. Je renonce à elle. Toute chose. Toute mauvaise action de Satan. Je renonce à elle. Et dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une nouvelle chose s'est produite dans ma vie. Alors dis-le. Seigneur, mon Dieu, toi seul est Dieu. Et aucun ne te seconde. Et aucun ne te va te seconder. À partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu est accomplie dans ma vie. Elle est manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est accompli pour moi. C'est accompli pour moi. C'est accompli pour moi. C'est accompli pour moi. Éternel des armées, lui qui a créé les cieux et la terre, fera toute chose dans ma vie aujourd'hui. Tout a changé dans ma vie. Et je suis une nouvelle personne. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Et une nouvelle chose a commencé dans ma vie. Le miracle s'est produit dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci à toi. Je te loue. Et je te lève. Et je t'adore. Oh, bénis l'Éternel. Mon Dieu, loue ton cœur, loue l'Éternel. Exalte-le à jamais. Il est le Dieu des dieux. Et le roi des rois. Et il accomplit toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Wanusiano Abraham Femaola Se waji fokla anyigbae Atenwa wanusiano Aye Atenwa wanusiano Aye Abraham Femaola C'est what you for clay and you ba a tema one oceanon. Yes, la way awe awe lo awe awe yes la way awe awe lo awe elawe Christo lawe elawe awe namlo awe elawe Atengwa wano siano aye Abraham femaula Se waji fokla anyigbae Atengwa wano siano Atengwa wano siano lo Aye Abraham femaula Aye se waji fokla anyigbae Aye Atengwa wano siano Yesu lawe Hey, hey,
Yahweh, Alléluia, Yahweh, Yahweh. Yes, Yahweh, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Yahweh. Itina kafui. Exalte le maître. Il l'a fait dans ta vie. Il l'a manifesté dans ta vie. Il a posé sa main sur toi. Le miracle s'opère dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour toi. C'est accompli. Cela manifeste dans ta vie. Cela manifeste dans ta maison. Il l'a manifeste dans ton lieu de travail. Il l'a manifeste partout où tu te trouves. Il l'a fait. 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 Non, c'est catatoire. Le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, va me là. Il a fait accompli. Cela manifeste dans ta vie. Il n'y a plus personne. Il est le Tout-Puissant. Oh oui, non, café. Il a fait pour toi, loue-le. Exalte-le. Je te remercie. Je très fond de mon cœur. C'est toi qui es mon Dieu. Je t'ai invoqué, tu m'as répondu aujourd'hui. Aujourd'hui, la chose a changé de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, la chose a totalement changé. Mon Dieu, merci à toi. Et tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Oh Jésus, tu l'as fait pour moi. C'est accompli pour moi. C'est accompli pour moi. Jésus Christ en commun. Dans le nom de Jésus Christ. Mika foi, mais nous veuvez fiala. Mika foi, mais nous veuvez fiala. Fiala, 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 fiala. Mika foi, mais nous veuvez fiala. Aïe. Fiala, fiala, fiaye. Mika fwa manu veve, fiala. Oh, mika fwa manu veve, fiala. Aye, mika fwa manu veve, fiala. Fiala, 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 fiaye. Mika fwa manu veve, fiala. Aye. Fiala, fiala, fiae, oh, mika fama no veve, fiala, aye, mika fama no veve, fiala, fiala, mika fama no veve, fiala, 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 fiae, aye, mika fama no veve, fiala, fiala. Fiala, fiala, fiae, oh, mika fama no veve, fiala, yeah, fiala, fiala, fiae, oh, mika fama no veve, fiala, 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 fiae, mika fama no veve, fiala, ano Yehuwa, vava la te. E papa la te manon manon ye oh papa la te la e papa la te manon ae basi sase la jinye kokokola e falo sase la jinye kokokola manon ye oh papa la te lo e papa la te manon aye e fashi sese le jinye lo e falo sese le jinye manon ye owa fava la te la e fava la te manon awe lo awe awe lo awe eyi adelo
Yesu galena ne wagala gapo fode awelo ayade Yesu galena ne wagala gapo fode awelo ayade Yesu galena ne wagala gapo fode ay ayade Yesu galena ne wagala gapo fode Yesu galena ne wagala gapo fode awe ayade Yesu galena ne wagala gapo fode lo awe Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons ce matin. Car le temps est venu. Jésus-Christ fera encore quelque chose. Et c'est accompli dans nos vies. Et c'est manifeste dans la vie de tes enfants. Dans leur maison tout à l'heure. La puissance de Dieu est entrée dans chacun d'eux. Et la puissance de Satan est détruite. Le pouvoir des démons est détruit. La puissance du péché est détruite. La loue fardeau sont déchargés. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu anime la vie de ses enfants. La sagesse de Dieu anime la vie de ses enfants. La capacité de Dieu entrer dans la vie de ses enfants. Le secours de Dieu entrer dans la vie de ses enfants. Et quand tu as posé ta main sur ses enfants, tous ont été guéris. Tous se sont rétablis. Une nouvelle force est donnée à chacun d'eux. Dans le nom du Seigneur. En ce jour, la gloire de l'Éternel est manifeste. Et ce, dans la vie de tout le monde. Notre Dieu, merci à toi. Et tu es digne d'être loué. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Chantons ce cantique. Dieu beneza. Mao famé no bébé donko dosio maowa nacho peda adane oh mava jie beneza mao famé no bébé donko dosio maowa nacho Dada, ebe neza mau famenu veve aye doku dosio mau aye nato pedada ebe neza ebe neza au mau famenu veve aye Donko dosio mau aye nacho peda dane au mava jie beneza mau famenu veve aye donko dosio mau au nacho peda dane beneza ebe ebeneza Mau famenu veve awe doku dosio mau ye nacho pedada ebeneza ebe neza oh mau famenu veve awe doku dosio mau ae nacho Bedada ne. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ce jour est un jour spécial.
Et nous sommes assemblés dans la maison de Dieu. Et tu es dans ta maison ce matin. Ou ce soir. Et quand tu entends ces paroles. Afin que la grâce de Dieu te soit accordée. Que sa puissance entre dans ta vie. Pour cette raison, nous allons chanter un cantique maintenant. Et nous allons invoquer notre Dieu pour qu'il nous parle ce matin dans sa parole. Ferme tes yeux maintenant. Nyala. Ede mi chofu tosime o nyala ena agbema vo mi o nyala ewa ma blode vie lo nyala ene akadi na mi lo o nyala Ede mi chofu tosimela o nyala ena agbema vo mi lo o nyala ewa ma blode vie o nyala ta parole Awomi ablode vie nous a rendu libre o nyala ta parole ena mi ngusa nous a donné la force o nyala ta parole Enami nunya nous a donné la sagesse. Onyala ta parole. Enami rere nous a donné l'instruction. Onyala ta parole. Enami sijaja nous a donné la science. Yamao notre Dieu. Akbenao merci à toi. Akbenao merci à toi. Nyala mi ngusale c'est la parole qui renferme la puissance. C'est dans la parole que se trouve la quiétude. Ce matin, et tu as introduit ta parole dans nos cœurs. Ce matin, une nouvelle chose s'est produite dans nos vies. Notre Dieu, nous voici. Nous sommes devant toi. Accomplis toute œuvre dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, quelqu'un d'autre ne peut le faire pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est entré en nous aujourd'hui. Et tu nous as donné la bonne compréhension dans ta sainte parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique. Never ever va. Jésus dans l'île. Et on nous y est. Nous y est. Nama bouta. Meseko aye akpeda okoma aji neveveva jijo doli ewonosia nunye namabuta meseko ye akpeda okoma aji nagajika. Chantons à nouveau. Never ever va, Jijo Doli, Ewa Nozia, Nunye, Aname Buta, Maseko, Ye, Akeda, Okoma, Ji, Never ever va, Never ever va. Jijo doli, ewa nosia, nonye, namabuta, meseko, ye, akpeda, okomaji, madakpena, maroda, maronyeda, lefadome, nyonyota, ye,
na ma buta ma seko ye akpeda ko maji Madakena, Maunyeda, Maunyeda, la patome, yonyota, aye, ne me bouta, me seko, ye, akpeda, ho, komaji, ne veve va, ne veve va, ye, jichodo lila, ewanusia, non ye. Na mabuta maseko ye akeda ho komaji na va va na va va eji chodoli ye wanusia nunye na mabuta maseko ye akeda ho komaji. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Voilà. La vie amère. Ma vie. Frères et sœurs. Ma ole docteur qui a de wam. Dieu accomplit une œuvre spéciale. Dans nos vies. De tonue. Écoute bien. Les anciens, dans cette nuit, j'ai beaucoup prié pour toi. Et Dieu m'a dit, il y a des maisons dans lesquelles il ne rentrera pas. Car ils se sont fait ce mal-là est détruit dans cette semaine. Pour cela, j'ai prié et supplié pour toi. Il m'a dit beaucoup de choses que je ne peux dire maintenant. Je suis reconnais que tu as été d'accord de faire de ta maison la maison de Dieu. Et Dieu demeure dans son saint temple. Mais si cette maison n'est pas sainte, Dieu n'y entrera pas. Et tu sais toi-même ce que tu as fait. Je vais le dire de façon générale. Afin que tu te ressaisisses vite et te repentis. Pourquoi es-tu dans des querelles? Quelles sont ces paroles qui sortent de ta bouche? On te fait du mal. Et elles détruisent ta maison également. Pourquoi as-tu levé ta main? Pour frapper. Je le dis de façon générale. Dieu a vu toutes ces choses. Ainsi, il n'a pas voulu entrer dans ta maison aujourd'hui. Alors j'ai prié pour toi. Certains l'ont fait jusqu'à un certain niveau. Et ils avaient de la migraine d'ailleurs. Et mets ta main sur ta tête. Et dis à Dieu, pardonne-le-moi. Un autre, tension montée. Ta tension artérielle est élevée. Mets ta main sur ta poitrine. Et dis à Dieu, je me répands. Car en faisant cela, un changement s'opère en même temps dans ta vie. Un autre, et tu es enceinte de 4 mois. Mais tu as constaté que tu perds du sang. Mets ta main sur ton ventre. Et dis à Dieu, je me répands. Et la restauration va s'opérer.
Beaucoup de choses Dieu m'a dit. Car Dieu ne coopère pas avec le péché. Pour cela, enlève toutes ces mauvaises choses. Et fais de ta maison la demeure de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne permets jamais au mal d'arriver à nouveau. Car si tu penses que tu es en train de défendre ta cause, que tu veux savoir, que tu veux faire savoir qu'on ne te traite pas ainsi, tu es en train de détruire ainsi ta maison. Et si Dieu quitte ta maison, tout sera détruit chez toi. Alors répands-toi. Et j'ai prié sincèrement pour toi. Partout où tu te trouves en écoutant cette parole, c'est que Dieu veut te faire grâce. Alors répands-toi. Sais-tu ce que tu as fait? Parce que j'ai dit que je ne vais pas tout citer. Et pourtant, c'est un péché et que tu sais. Ta maison va être détruite. Et j'ai prié aussi pour toi. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi. Hein? Oui. Cette bouteille. Et tu sais de quoi il s'agit. Ne la touche plus. C'est que tu seras détruit. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. Et sors de là totalement. Afin que Dieu œuvre dans ta vie. Car ce n'est pas cela qui va accomplir quelque chose de bien dans ta vie. Il te détruit au contraire. Alors rejette-les. Afin que tu puisses saisir et comprendre la parole de Dieu aujourd'hui. Mais ce jour est un jour de grâce pour toi. Si tu arrives à te repentir totalement aujourd'hui, alors l'Éternel sera chez toi. Mais si tu refuses de te repentir, alors tout est devant toi. Et tu as fait beaucoup de choses que l'Éternel n'a pas approuvées. Alors, répands-toi. Revenons maintenant à la parole de Dieu. La vie amère. Nous voyons que Dieu amène toutes choses déjà à sa fin. Et pour cela, il a envoyé ses anges leur demandant de parcourir le monde entier. Il leur a dit, examinez les fils des hommes dans chaque pays. Tous ceux qui pleurent, qui soupirent, qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde, et faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra le désastre, que eux, ils ne soient point frappés. Et prenez avec vous ma coupe de colère. Et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront. Et ils chancelleront. Et ils auront de mauvaises pensées. Et ils se mettront en colère. Et auront de mauvaises démarches. Ainsi, quand le désastre viendra, et ils seront frappés. Et ils seront totalement détruits. Et pour leur perte, et ceux que vous auriez marqués, et quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Et ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas. Et ils iront de l'avant. Et se multiplieront et s'élargiront. Et quand viendra le mal, il ne les touchera pas.
La question est celle-ci. De quel côté te trouves-tu maintenant? Il n'y a point de miséricorde dans cette affaire. Ah. Non. Nous voyons des choses qui sont très importantes. Nous avons mis de côté le roi Asa. David, hey! David, oui. Lui aussi nous l'avons laissé de côté. Mais souviens-toi, les jeunes, une fois qu'ils entrent dans ta vie, ce n'est pas une simple affaire. Et si tu couches avec une femme, tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Les jeunes sont entrés dans ta vie. Si tu vois une femme ou un homme, et tu dis que tu me plais, si tu savais de quoi il s'agit, tu ne l'aurais pas dit. Je vais te poser une question. Si quelqu'un prend du poison dans une petite bouteille et qu'il tient dans sa main, et il te dit, vois-tu ceci? Il répond, oui, je le vois. Sais-tu de quoi il s'agit? C'est du poison. Si tu veux, tu peux le tester. Et tu sais réellement que c'est un poison. Et il te dit maintenant, prends-le. La nuit. Et bois-le. Une question. Est-ce que tu peux prendre ce poison et le boire? C'est une question. Pourras-tu prendre ce poison et le boire? Car il y a un hôpital, il y a des médecins. Si tu le bois, et on va te traiter. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne vas pas le boire, je le sais, que tu ne le boiras jamais. Si tu savais que cette femme que tu as trouvée, cet homme que tu as trouvé, et tu as dit, je t'aime, et je veux coucher avec toi. Si tu savais que c'était un poison, ou c'est un poison qu'il est en train de mettre en toi, tu ne le feras jamais. C'est du poison. Ce gène est du poison. Et je vais te l'expliquer plus tard. Car nous avons beaucoup de choses devant nous aujourd'hui. Tu peux être quiconque. Un grand, un petit. Une grande femme ou une petite. Est-ce que tu sais celui qu'on appelle David? Il n'était pas des moindres. Mais le voilà qui pleure. Parce que les jeunes sont entrés dans sa vie. Et ont détruit beaucoup de choses dans sa vie. Il n'a fait qu'une seule chose. Il a gardé fermement l'Éternel. Et il pleurait amèrement. Et c'est ce qui avait sauvé David. Ne te dis pas que si tel est le cas, alors moi je vais le faire. Et j'irai garder fermement l'Éternel. Que tu l'as fait pour David, fais-le pour moi aussi. Il ne le fera pas pour toi. Répands-toi. Aujourd'hui. Mais nous allons y revenir et plus tard. Une autre fois, et nous allons bien sonder cela. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau important. Et nous voyons des choses qui sont très importantes aussi. Et un rappel. Et nous avons vu que Dieu a disposé le monde entier par chapitre. Oui, par chapitre. Par cela, nous devons savoir que quand un chapitre va finir, avant qu'on passe à un autre chapitre, l'épreuve vient. Et comme le diable sait cela, il viendra chez toi.
et pour te dire des paroles mensongères et pour semer la confusion en toi. Et en pensant aux paroles de confusion, tu ne pourras pas passer cet examen et réussir. Alors tu seras détruit. C'est pour cela que plusieurs sont restés à mi-chemin. Ils n'arrivent plus à avancer. Et nous voyons également que tout ceci est basé sur une seule chose. Ce sont les choses qui sont dans nos pensées. Et que nos yeux ont vu. Alors que voient tes yeux? Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Car nous les tirons des événements de la vie de Lot. Alors continuons aujourd'hui. Car nous avions laissé de côté une partie. C'est Jérémie. Les paroles du prophète Jérémie. Et ce n'est pas une simple affaire. Ce qu'il a dit à Judas et qu'ils n'ont pas accepté. Car le prophète Anania leur a dit une prophétie mensongère. Et c'est ce qu'ils ont accepté. Et tout le pays a été détruit. Mais il y a quelque chose là-bas. Car ils ont commencé par tuer leurs enfants. La peste est venue. Et il y avait la famine. Et ils mangeaient leur propre progéniture. Et je ne le traite pas encore. Et je l'ai laissé de côté, on travaille toujours sur moi. Après ce travail, je reviendrai là-dessus car il y a des choses très importantes là-bas. Alors nous avons continué ailleurs. Et cela aussi est inclus. Et nous avançons là-dedans. Frères et sœurs, soyez attentifs. Car nous avions lu Psaume 105, du 23e au 25e verset. De là, nous sommes partis voir Job. Mais avant d'y aller, retournons dans Psaume 105, le verset 23. Il dit: Israël va Égypte. Alors Israël vint en Égypte. Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Le verset 24. Il rendit son peuple très fécond. Est plus puissant que ses adversaires. Verset 25. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Et c'est l'Éternel qui accomplit toutes ses œuvres. Il changea le cœur de l'Égypte au point qu'il haït Israël. Et qu'il traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Oui. Frères et sœurs, et nous voyons que qu'il est vrai que Dieu a subdivisé les choses par chapitre. Et chaque chapitre avec ses actions.
Depuis le jour où Dieu créa le monde. Et jusqu'à ce jour. Que de chapitres étaient en action. Et chaque temps avec son chapitre. Avec ses événements. Avec ses épreuves. Et tous ceux qui ont passé l'examen et qui ont réussi évoluaient. Et ceux qui n'ont pas réussi restent sur place. Et plusieurs d'entre eux sont morts à ce niveau d'échec. Et ils sont détruits. Il n'était plus rien. Et ceux qui ont réussi évoluaient, avançaient. Et ce jusqu'au jour de leur mort. Leurs enfants ont continué après eux. Eux aussi sont entrés dans leur chapitre. Ainsi, tout évoluait dans cet ordre spécial. Ok. Alors retournons dans Job. Job tabla et ovo enilia. Le chapitre 38. Job tabla et ovo adenlia. À partir du verset 36. Ekblabanam. Il dit. Ameka chongunya do alilipo chiri chirim. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Aye ameka na gomosese. Yamenu. Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit. Nous voyons que chaque enfant de Dieu et quand tout marche pour lui, il chante et il loue Dieu. Ils sont dans la joie. Ils sont dans l'allégresse. Mais là où ça ne marche plus, ils sont affligés. Pour d'autres, ils tiennent des propos malveillants et ils disent des choses mauvaises. Et sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas que ce qui est en train de se passer dans leur vie, que c'était un chapitre qui prenait fin. Et ils sont en train de passer l'examen maintenant. Et nous passer l'examen là. Et quand ils vont passer cet examen, et une fois réussi, ils vont entamer le second. C'est ainsi que les choses se passent pour tout le monde. Frères et sœurs, personne ne fait exception. Oui. Pour cela, nous avons vu la vie de Job. Tout a été détruit pour lui. Ces 10 enfants, tous sont morts en un seul jour. Ce n'est pas une simple affaire. Ce grand riche, et quand il marchait et passait dans la ville, tous les gens criaient. Et s'il va et s'assoir, les grands se lèvent devant lui. Aucun d'entre eux n'était plus avancé que Job. Et quand il parle et que Job arrive, et quand il ouvre sa bouche, tout le monde garde le silence. Mais le voilà. Il est assis par terre. Et dans la cendre. Ayant des plaies partout. Il était dans de grandes douleurs. Tout est fini. Et c'était là l'épreuve. Nous devons savoir que toutes les épreuves viennent selon le niveau qu'a celui-là.
On ne prend pas l'épreuve de la classe de CPE pour la donner à ceux qui sont en terminale pour traiter cela. Et on ne soumet pas non plus les enfants du CPE aux épreuves du baccalauréat. Non. L'Éternel des armées, c'est lui qui a tout disposé ainsi. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ok. Et nous avions déjà vu tout ceci le dimanche dernier. Nous le parcourons tout simplement. Et qui a mis la sagesse dans le cœur? Et quand les choses t'assaillent et que l'obscurité épaisse est là et que tu ne comprends plus rien, est-ce que tu peux y entrer avec sagesse? Est-ce que tu peux traduire ces choses positivement? Et tu diras non. C'est quoi? Cela veut dire quoi? Frères et sœurs, certains ont arrêté de servir Dieu à cause de ces événements. Certains sont partis voir les charlatans. Ils ont été séduits à cause de ces événements. D'autres ont suivi les faux prophètes à cause de ces événements. Et on les trompe en prenant leur argent à cause de ces événements. Et sans savoir que c'était juste un examen. Et pour qu'ils s'asseyent et de réfléchir et d'étudier et passer en revue sa classe et de réexaminer certaines choses afin de passer cet examen, il a refusé. Il dit que le charlatan le fasse pour lui. Il dit que le faux prophète le fasse pour lui. Quand est-ce que à l'école, le temps d'examen vient, et une fois assis dans la classe d'examen, on appelle quelqu'un de venir composer à ta place? Jamais. Si quelqu'un d'autre vient le faire, et tu n'iras nulle part. Jamais. Tu n'iras nulle part dans la vie. C'est que tu es détruit. Ok. C'est bon. Et qui peut compter avec sagesse les nuages et verser les outres des cieux? Et pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de la terre se collent ensemble. Car la dernière fois, nous n'avons pas parlé de ceci. Et qui verse les outres des cieux. Si, car nous avons pris l'exemple de Noé la dernière fois. Quand Dieu lui a dit, et il annonçait aux autres qu'il va pleuvoir. Et ils lui ont dit, ne nous mens pas. Et depuis ta naissance jusqu'à ce jour, aujourd'hui tu es au-delà de 500 ans. Il est divi. Et tu as des enfants. Mais il n'a jamais plu. Et plus de 500 ans. Sans plus. Et toi, tu dis qu'il va pleuvoir maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Frères et sœurs, Noé avait cru en la parole de Dieu. Et il a construit l'arche. Après avoir construit l'arche, lui, sa femme, ses fils et leurs femmes entrèrent dans l'arche. Et il a commencé par pleuvoir. Les outres sont versées.
Et il y avait la poussière qui ruisselait par terre. Et la Bible a dit, « Ah, on a et pour que la poussière se mette à ruisseler. Et que les mottes de la terre se collent ensemble. Et pour que la poussière se mette à ruisseler. Et que les mottes de terre se collent ensemble. Comment comprendre cela? Cela veut dire que quiconque n'a pas réussi à l'examen, on dit tout simplement qu'il a échoué. Celui-là a échoué. Oui, il a échoué. Et s'il passe l'examen et qu'il réussit, il est élevé. Noé. Sa femme, ses fils et leur femme ont réussi à cet examen. Et ils sont à un degré élevé. Et tout le reste dans le monde n'ont pas réussi à cet examen. Ils ont échoué. Une fois échoué, alors les mottes de terre les ont pris et resserrés. Et quand l'eau est tombé sur par terre et a rendu cela plus moelleux. Et peu de temps après, la poussière de la terre a commencé par se coller. Et tout ce qui est dans l'argile, et l'argile le resserre. Et ils sont tous morts. Ils n'ont pas survécu. Et c'est ce qui arrive à plusieurs dans le monde aujourd'hui. Ils ne savent pas que, n'ayant pas réussi à l'examen, et qu'ils ont échoué, aussitôt la terre les engloutit. Et la terre s'est fermée sur eux. Et ils ont été détruits. C'est pour cela qu'ils font du surplace. Et quand tu es saisi par ces montées de terre, tu ne pourras plus poser ton pas pour aller de l'avant. Et si tu es retenu par la boue, tu ne peux plus poser tes pas pour aller de l'avant. Tu fais du surplace. Alors ils font du surplace. Et ils sont détruits. Maintenant, nous allons continuer. Car nous avons fini de parler de ceci. Et nous allons retrouver ceci dans différents contextes. Continuons donc. Car nous voyons les chapitres. Les événements également. Et ce qui se passe. Les gens ont échoué. Une fois échoués, c'est fini, ils sont détruits. Tout le monde. Tous les enfants qui sont en classe et qui étudient, ces enfants, les potentialités qu'ils ont ne sont pas des moindres. Mais ils étudient. Et pour se discipliner, afin de pouvoir développer plus tard leur potentialité. Mais si tu échoues, alors, là où il a échoué, et il est englouti. Il est indispensable d'apprendre. Oui. C'est discipline. Nécessaire. La discipline, c'est nécessaire. Ok. Allons dans Ecclésiaste. Le chapitre 8. Et voyons comment ça se passe. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 10 dit. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture. Voilà. Quiconque ne réussit pas son examen, on l'appelle méchant. Et pourquoi l'appelle-t-on méchant? Il a fait du mal aux potentialités ou ce à quoi Dieu l'a prédestiné. Alors il devient un méchant.
Pour cette raison, on dit ici, alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Maintenant, ils ne peuvent plus se réaliser car leur potentialité, ce n'est pas une petite chose, mais ils l'ont détruit. Continuons. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. Cette parole veut dire ceux qui agissent avec droiture doivent s'en aller. Quiconque. On parle de droiture. Qui veut dire. Ils ont passé l'examen. Et celui-là a réussi. Alors s'il réussit. Il quitte là-bas. De cette classe. Il quitte cette classe. Pour aller dans une classe supérieure. Je suis persuadé que tu comprends ceci. Il va quitter et s'en aller. Il ne restera plus là-bas. Et il sera oublié là-bas. Car d'autres vont remonter et venir dans cette classe. S'il te plaît, examine bien ces paroles. Il va s'en aller. Mais, ne me passe au là. S'il ne réussit pas, bon. Et certains restent dans cette classe. Et redoublent. C'est le cas, je veux. Une ou deux fois. Ne me le passe quoi? S'il ne réussit pas toujours, c'est fini. La terre va l'engloutir. Cela veut dire. Il est rentré à la maison. Il reste ainsi dans cet état. Il ne va plus évoluer. Ses potentialités. Et la terre les engloutit. Si tu peux bien comprendre ces choses comme je suis en train de les prêcher, tu vas te réveiller. Et tu sauras les dommages que tu subis. Et ce à quoi Dieu t'a prédestiné, si tu ne te réalises pas, alors rien ne marchera pour toi dans ce monde. Une question. Les guilles. Si les guilles ne peuvent plus servir à coudre, est-ce qu'on peut faire autre chose avec? Ah. Non. Elle ne servira plus à rien. Car elle ne peut plus rien faire. S'il te plaît, essaie de parcourir toutes ces choses. Car ce qui se passe dans la vie de plusieurs, la vie amère. Alors, tout ce qu'il se rappelle, c'est juste les événements fâcheux qu'il a traversés. Sans jamais savoir que c'était des examens, des épreuves. Il trouve des excuses en se reposant sur ces choses. Et il condamne ou... Oui. Accuse ces choses. C'est à cause de cela que je suis ainsi. C'est pour cela que je souffre aujourd'hui. Je subis ces événements. Alors qu'il est le propre fautif. C'est parce que tu as vécu ainsi toi-même. C'est toi-même qui n'as pas réussi à cet examen. C'est pour cela que tu n'es pas avancé. Et si tes potentialités ne se sont pas réalisées, viens voir. C'est encore là une vanité. Alors, ils seront que vanité s'ils échouent. Ils ne seront plus rien. Mais ceux qui ont réussi,
Et qui sont des justes, ils iront de l'avant. Et ce lieu va les oublier. Parce qu'ils ont déjà passé ce chapitre. Continuons encore un peu, voyons. Verset 11. Esi afia doto bevielo. Écoute bien. Esi afia manya chona le nouveau di ou kaba ou mutila. Et parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Ayata jidua amebeto vio punto de nouveau di ou. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. La Bible dit qu'une sentence est contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Les juges, les avocats, tu vas les voir, ils font un pied devant, et ils font trois pas vers l'arrière, et ils font un pied devant, et quatre pieds derrière, et c'est ce qu'ils font. C'est pour cela que ceux qui font le mal et continuent de faire le mal. Et parce que pour prononcer une sentence contre les mauvaises actions, cela n'arrive pas promptement. À cause de ceci, plusieurs n'arrivent pas à se réaliser dans la vie. Et si le juge veut se comporter ainsi, qu'il le fasse. Et si l'avocat veut le faire, qu'il continue. Mais ne va pas là-bas. Et fais ce qui est juste. Sois fidèle. Car tu es en train de lutter pour ta vie. Tu luttes pour ta vie. Et pas pour une autre personne. Personne ne vient lutter pour la vie de quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a programmé en toi, c'est tu te bats pour cela. Tout le monde, depuis les présidents, jusqu'au ministre, jusqu'au député, jusqu'au préfet, jusqu'au maire, jusqu'au directeur, jusqu'à ceux du marché, tout le monde. Et tout travailleur, quel qu'il soit, il ne se bat pas pour quelqu'un d'autre. Mais plutôt ce que Dieu a écrit à ton égard, tu te bats pour cela. Pour cela, si tu vois le mal et tu t'y adonnes, ce que tu es potentiellement est plus grand que ce que tu es en train de prendre. Alléluia, oui. Elle est plus grande que cela. Si tu apprends beaucoup et que tu réussis tes examens et que tu avances et tu vas te voir dans un miroir et dire que est-ce vraiment moi? Oh Dieu, merci à toi de ce que tu m'as fait ainsi, tu as fait ainsi pour moi. Frères et sœurs, examine bien ceci. Ok. Viens voir. Bible la Bible dit, le verset 12. Ne nous vont là, ou avons-y à la fin. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, ok, oui, yakuma. Oui. Quelqu'un fait ce qui est mal. Il a volé. Il a menti. Il a triché. Mais il persévère et vit longtemps. Et les gens se confient donc en cela. Ceux qui le savent. Et ceux qui le connaissent et qu'ils savent comment il procède par ruse et pour voler. Et qu'il triche les gens. Et qu'il prend possession par rapide des biens des gens. Le voilà qui vit. Et qui jouit de la vie. Les gens disent comment? Je vais apprendre un peu de lui. Et je vais le faire aussi. Tu es en train de te tricher. Tu es en train de te tricher. Et si quelqu'un volait et mourait en même temps, personne ne cherchera à voler. Mais non. C'est une certaine grâce que Dieu lui a donnée pour se ressaisir et se repentir.
Et le fait qu'il vive longtemps, cela ne doit pas t'entraîner dans cette situation. Et la Bible continue en disant, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel, ils auront le bonheur. Le verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours. Et pas plus que l'homme parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Ils ne vivront pas longtemps. Ils seront détruits. Car cette vie n'est pas une bonne vie. Ok. Maintenant, on nous a donné déjà une base. Et pour comprendre que Dieu, il a disposé les choses par chapitre. Chaque chapitre. Avec ses actions. Et des choses difficiles. Quelles qu'elles soient. Elle et forme l'homme en fonction de ses potentialités. Cela, nous avions lu que Israël est venu en Égypte. Se sont multipliés et élargis. C'est là un chapitre qu'ils ont traversé. Arrivé à un certain moment, Dieu a fait en sorte que les Égyptiens les prennent en aversion. S'il te plaît, écoute bien et comprends ceci. Car nous accusons les autres rapidement. L'Égypte ne s'est pas levée pour prendre en aversion Israël. Dieu, l'Éternel des armées, elle leur a mis cela à cœur de haïr Israël. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Il leur a mis cela dans le cœur. Haïssez mon peuple. Dieu le Tout-Puissant. Oui. Fifia. Maintenant, allons dans Exode, le premier chapitre. Et voyons quelque chose d'important. Nous lisons à partir du verset 8. Et d'abord, le verset 6 nous dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Un chapitre vient de se fermer. Un chapitre vient de se fermer. Joseph. Ses fils. Cela veut dire. Les noms des fils de Joseph. Éphraïm. Manassé. Eux aussi sont déjà morts. Leurs fils. Étaient là. Les fils de leurs fils étaient là aussi. Car ceux-là ont fini de faire leur chapitre. Chacun accomplit sa part. Frères et sœurs, ton père a fait sa part. Qu'il ait réussi ou non, ce n'est plus ton problème aujourd'hui. Mais nous voyons que qu'il est vrai. Nous arrivons à un certain niveau. Nos aïeux n'avaient pas réussi à leurs examens. C'est pour cela que notre développement n'a pas atteint
et un niveau, le niveau qu'il doit atteindre. D'accord. Mais comme nous sommes venus, ne faisons pas ce que nous avions fait. Et voyons ce qu'ils ont fait qui était mal. Et ne reproduisons pas la même chose. S'il te plaît, ne fais pas la même chose. Change de mentalité. Mets la parole de Dieu en pratique. Ok. C'est bon. Nous sommes venus à cela. Exode, le chapitre 1er. Joseph et les autres sont déjà morts. Car et cela veut dire qu'ils ont les arrière-petits-fils. Le verset 7 dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Il s'accrut et devint de plus en plus puissant et le pays en fut rempli. S'il te plaît, examine bien ces choses. Après la mort de Joseph, cela ne veut pas dire que c'est la fin d'Israël, non. Car le chapitre de Joseph est propre à lui. Et il y a travaillé proprement. Il l'avait bien fait. Et il a fini. Chacun fera pour sa part. C'est là le programme de Dieu. Cela ne veut pas dire que Joseph étant mort, tout est fini aussi, non. Non. Bien. Allons verset 8 maintenant. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Et qui n'avait point connu Joseph. Cela veut dire tout simplement que cela nous révèle que un nouveau chapitre vient de débuter. S'il te plaît, sois attentif. Et ce chapitre qui commence est très loin du chapitre de Joseph. Par cela, ceux qui sont ici n'ont pas connu Joseph. Ne l'ont jamais vu face à face. Mais ils ont entendu parler de lui. Si je te pose cette question maintenant, est-ce que tu connais ton arrière-grand-père qui a engendré ton arrière-grand-père, qui a engendré ton grand-père, qui a engendré ton père et qui t'a engendré? Non. Tu ne l'as jamais vu. Et tu as juste entendu parler de lui. Certains d'ailleurs n'ont jamais entendu parler de leurs arrière-grands-pères. Ils n'ont même jamais vu leurs photos. Ce chapitre était achevé. Et est passé dans le chapitre du père de ton père. Certains d'ailleurs ne connaissent pas leur grand-père. Et d'autres d'ailleurs, leur père leur donnait naissance. Mais peut-être leur père était mort avant qu'ils deviennent adultes. Cela, ils n'ont pas connu leur père. Oui. Si tout le monde et finit son chapitre, Jonah, il s'en va. Oui. Oui. Ok. Nous avions déjà lu et on l'oublie. Il tombe dans l'oubli. Il tombe dans l'oubli. Par cela, on a oublié Joseph en Égypte. Dans son chapitre, tous les jours, tout le monde appelait son nom Joseph, 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 oui. Mais quand il est passé, il est passé dans l'oubli. Un roi, un nouveau roi parut.
qui n'a pas connu Joseph. Il n'a même jamais entendu parler de lui. Il ne savait pas tout ce qu'il a accompli. Et avant de le connaître, il doit retourner dans les archives, dans l'histoire. Oui. Et pour lire et le découvrir. Ok. Agnon. On ne va pas se presser. Car nous sommes venus à quelque chose de très important. Il continue en disant, le verset 9. Il dit à son peuple, sais-tu, chaque roi qui vient sur la terre d'Égypte. Le pharaon, si Kenan, Joseph, premier ministre. Et le pharaon qui avait établi Joseph, premier ministre. Tous les rois qui lui ont succédé. Il disait, souvenez-vous de tout ce que Joseph a accompli pour ce pays. Et son peuple était Israël. Alors traitez-les bien. Car leur Dieu nous a fait grâce. En ce temps-là, Israël se multipliait. Et tout évoluait. Mais arrivé à un certain moment, un roi vint. Qui n'a pas entendu parler de Joseph. Et Dieu a mis quelque chose en lui. Il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un grand peuple. Et plus nombreux, plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Ce nouveau roi disait au peuple d'Égypte, soyons habiles vis-à-vis des enfants d'Israël. Si tu étais un enfant d'Israël ce jour-là, et que tu as entendu cette parole, qu'est-ce que tu vas répondre? Cette vie de démon, les actions d'un démon, et c'est ce que ce roi est en train de faire contre nous. Je te prie, tranquillise-toi et comprends ces choses. Sois totalement tranquille et comprends bien. Tout ce que les exploits que nos frères ont accomplis et où nos pères ont accompli dans ce pays, ils ont tout oublié. Et voyez ce qu'ils sont en train de dire contre nous. Et d'être habiles vis-à-vis de nous. Afin de nous faire du mal. Toi qui tiens ces propos. Tu ne sais pas ce que l'Éternel a dit. Et tu ne connais pas le programme de l'Éternel des armées. Ce roi ne s'est pas levé pour dire ces paroles. Mais c'est l'Éternel qui lui a mis cela à cœur. Est-ce que tu es là? Es-tu à la maison? Que cela te soit clair. Alors cesse de tenir de mauvais propos. Cesse. Frères et sœurs, le monde entier, c'est l'Éternel qui dirige ce monde. Tous les rois, tous les présidents sont dirigés par l'Éternel. Si un président dit quelque chose et que ce n'est pas une bonne parole, ne continue pas de tenir des paroles mauvaise, non. Et pourquoi? C'est l'Éternel qui lui a mis cela à cœur. L'Éternel des armées est grand.
Mais que fait donc ce roi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Et nous l'avons choisi, élu. Et regardez-le, ce qu'il est en train de faire contre nous. Non. Lui-même, le roi, le président, n'a pas le pouvoir sur ce qu'il fait. Que cela soit clair pour tout le monde. Dans le monde entier, et appartient à l'Éternel des armées. Personne ne va conduire ce monde sinon selon le programme de l'Éternel des armées. Allô, vent. Que ce soit pour le bien ou le mal. C'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Ce que les grands savants, les grands sages ne comprennent pas. Le roi qui n'a pas connu Joseph. Il a dit, soyons habiles vis-à-vis de et traitons les mal et détruisons-les. Alors que c'était la volonté de qui? La volonté de l'Éternel des armées. Donc, souviens-toi que nous l'avions lu. La fois la carte à ton lien. Psaume 105. Le verset 23. Le verset 24. Et verset 25. Yahweh. L'Éternel veut changer leur cœur pour qu'ils agissent avec perfidie et contre son peuple. Correct. Et cela se réalise correctement. Correct. Correctement. Yahweh. L'Éternel est grand. L'Éternel des armées. Il est assis au ciel. Et ses pieds touchent le sol. Hey. Hey. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis et pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le roi doit dire ces choses d'une certaine manière. Afin que son peuple soit d'accord. C'est que si nous sommes habiles vis-à-vis de Dieu et si nous les asservissons pour les empêcher de continuer de se multiplier, et si quand un peuple va se soulever contre nous, qu'il aille se joindre à ce peuple et nous combattre, et une fois qu'ils vont nous vaincre, ils vont quitter le pays. Et tout le peuple a été d'accord. L'Éternel, la sagesse de l'Éternel est si profonde. Alors que c'était un programme que Dieu a mis en place. Car un chapitre s'achève. Par cela, Israël doit être formé d'une certaine manière. Frères et sœurs, bien aimés en Christ, que ces choses te soient claires. Ôte de ta langue les mauvaises paroles, des paroles négatives, ôte-les. Du tout. Ôte-les. Oui. Mais gardez de politique, ne fais pas de la mauvaise politique, non. Du tout là. Fais sortir toutes ces choses. Quelqu'un fait quelque chose. Prie à l'Éternel et demande-lui, ô Éternel, est-ce là ta volonté? Alors, quel pas, si c'est oui, quel pas je dois poser maintenant? Il te dira, répands-toi et attache-toi à l'Éternel. Et c'est fini. Voilà tout. Ce que le monde entier va entendre. Car tout le monde entier marche dans ce programme. Voilà tout. C'est là le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. C'est pour cela que nous l'avions entendu le 31 décembre. Que dans cette année, et ça va être deux fois le tremblement, trois fois chaotique et deux fois le désastre.
Et ce n'est donc pas une simple affaire. Et si l'Éternel projette de faire quelque chose, qui peut le changer? Si l'Éternel lève son bras, qui peut le rabaisser? Si l'Éternel est assis, qui peut le relever? Si l'Éternel se lève, qui peut lui demander de s'asseoir? Personne. L'Éternel des armées, il s'est levé et ses ennemis sont dispersés. Frères et sœurs, le temps ne nous permettra pas d'aller beaucoup plus de l'avant. C'est bon, quand même. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Le verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Est-ce vrai? On a établi des chefs de corvée sur eux. Ils disent, nous avons changé de programme. Et les choses ne seront plus comme avant. À partir d'aujourd'hui, on va établir des chefs et qui vont leur donner des corvées pénibles. Chaque maison va le faire. Et ils verront en sorte que chacun ait tout fait exactement. Si quelqu'un ne le fait pas bien, on doit le frapper. Et s'il veut se rébeller, on doit le mettre à mort. Israël. Et certains diront, Éternel, nos aïeux nous ont dit cela. Nos aïeux nous ont dit cela. Que dans la détresse, si on t'invoque, tu réponds. Nous sommes dans une détresse maintenant. Nous t'invoquons de nous répondre et tu n'entends pas. On continue de nous asservir ici. N'est-ce pas toi qui as fait une promesse à Abraham? Et tu as dit avoir fait une promesse à Abraham. N'as-tu pas dit avoir fait une alliance avec Abraham? Et nous, nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous sommes esclaves ainsi. Et on nous tourmente ainsi. L'Éternel n'a pas répondu. Non. Ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel l'a dit. Salomon, il faut que tu aies ton lien. Psaume 105. Mais qu'il va avoir ton lien. Oui. Verset 23. Et on va les haïr. Et cela viendra de moi. C'est que le temps de passer l'épreuve est arrivé. Frères et sœurs bien-aimés, c'est juste une épreuve à laquelle Dieu est en train de te soumettre. Afin que tu sois à la maison. Car te voilà, tu cours et tu chantes. Que je vais dans la maison de Dieu. Je vais dans la maison de Dieu. Je vais dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux venir encore dans la maison de Dieu? Dieu veut que tu restes chez toi. Et pour te préparer. Prépare-toi bien. Car celui que Dieu veut être à son service, il doit être véridique, il doit être fidèle, il doit dire la vérité en toutes choses. Maintenant Dieu dit que tu restes à la maison et d'apprendre toutes ces choses. Oui. C'est très bon. Le coronavirus. Et c'est du malheur. Mais si tu le comprends, tu dois savoir que Dieu est en train de faire quelque chose pour que ses enfants s'éduquent. Ah oui? Oui. Éduque-toi. Et pour le moment, en fonction du temps. Cette loi est bonne. Ces mesures sont bonnes. Frères et sœurs, les enfants d'Israël, ils sont en train de souffrir. Continuons encore un peu. Et
C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python. Et de Ramsès. Pour servir de magasin à Pharaon. Je suis persuadé que tu connais Python et Ramsès. Ce n'est pas un petit travail. Ils ont utilisé les enfants d'Israël. Et ont bâti tous ces magasins. Oui. Les enfants d'Israël souffraient. Ils étaient dans le tourment. Ils étaient dans la douleur. Et quelqu'un dira, toi, Satan, c'est toi qui nous traites ainsi. Je te commande, dans le nom de Jésus, cesse d'agir ainsi. C'est zéro. Ce n'est pas le diable. Car le diable ne sait rien à ce sujet d'ailleurs. C'est le programme de Dieu. C'est le programme de l'Éternel des armées. C'est pour un but. Car si le chapitre va prendre fin, tu dois passer l'examen. L'examen, tu dois apprendre beaucoup avant de passer l'examen. La Bible continue. Et il dit, le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Plus on l'accablait. On les accablait ainsi. Oui, puisqu'ils ont beaucoup d'enfants et ils se multipliaient, ils vont se fatiguer. Ils ne pourront plus avoir d'enfants. Mais c'est zéro. Vois-tu, si Dieu a mis en place un programme, on dit qui, avec sagesse, peut compter les nuages. Et qui peut mettre la sagesse dans le cœur? La chose est là déjà. Et peux-tu te servir de ta sagesse pour le sonder et découvrir la main de l'Éternel? Tous ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur vie, quand ils y entrent, ils voient Dieu. Qui lève ses mains et les pose ainsi sur les enfants d'Israël en leur disant, mes enfants, ne craignez pas. Voilà, c'est le chemin. Et c'est moi qui vous conduis. Et persévérez. Apprends à persévérer comme un chameau. Persévère et traverse. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, les hommes et les femmes, pendant qu'ils traversaient ce moment difficile, tous les enfants qui naissaient étaient des enfants forts. Car cette formation entrait déjà dans le sein maternel. Ceux qui font des exercices, en le faisant, toutes les parties du corps et sont aussi transformées et changées d'une certaine manière. Quoique le corps souffre, mais c'est que le corps est en train d'être apprêté pour aller de l'avant, pour traverser toutes les difficultés et remporter la victoire. Voilà tout. Hey, frères et sœurs, chapitre. Le chapitre. Chapitre Kaminel. Dans quel chapitre es-tu? Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se déroule dans ta vie? Chaque fois tu es en colère. Et tu tiens de mauvais propos. Et pourquoi? Je souffre trop. Je te l'avais dit le dimanche dernier. Abraham. Je te l'avais dit. Anne. Eux tous ont traversé des souffrances. Sarah, oui.
Le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile. Si tu veux entrer dans le royaume, alors change ta vie. Cesse de tenir de tes propos, ces propos souillés, et ces propos pervertis. Cesse de les tenir. Tu parles de grâce. Où est-elle la grâce de Dieu? Une question. Pourquoi le jour où ta mère allait t'accoucher, tu n'es pas mort? Et morné, tu n'es pas morné. Ne sais-tu pas que là aussi c'est une grâce? C'était une grâce. Alors rends grâce à Dieu. Maintenant on doit te former. On doit te former. Car on a écrit quelque chose sur ta vie avant de venir dans ce monde. Afin que cela se réalise, on doit te former. Israël était tourmenté. Et on l'accablait de corvées pénibles. Depuis le matin, et c'est le jour suivant, la nuit tombe. Il commence à travailler le matin à 6 heures et c'est la nuit qui tombe. Ainsi, quand il rentre à la maison, les femmes et les hommes, et ils titubent de gauche à droite avant de rentrer à la maison. Avant de tomber enceinte et enfanter. Excusez-moi, l'homme et la femme doivent se coucher. Même en marchant, en titubant parce qu'ils sont fatigués. Une fois couchés, la puissance de Dieu descend sur eux. Une nouvelle force leur est donnée. Et la femme tombe enceinte. Et elle accouche. Et ils se multiplient ainsi. Pharaon a dit, mais que se passe-t-il? Qui sont donc ces gens-là? Ceux-là ne sont pas des humains. L'Éternel des armées. Tu n'y arriveras pas. Satan. Tu n'y arriveras jamais. Jamais. Voici. Si tu comprends Dieu, toute mauvaise loi que Satan fera sortir par ses serviteurs, cela va venir pour t'aider, au contraire. Cela sera favorable pour toi. Oui. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Daniel s'est endormi et a ronflé même. Et a posé sa tête sur un des lions. Mais le roi, à qui on a demandé d'écrire les dits et de signer, ce roi n'a pas pu dormir toute la nuit. Il n'a même pas pu manger. Et à l'aube, il a couru et il a dit en pleurant, Daniel. Il dit, mon Seigneur, je suis ici. Quoi? Daniel, tu dis que tu es en vie, mais je suis en vie. Je ne t'ai pas offensé. Tu n'as pas offensé mon Dieu. Je suis en vie. Il dit quoi? Milito. Faites-le sortir. Et le lion alors? Les lions sont là. Et tu es parmi les lions. Et tu es encore en vie. Ok. Faites-le sortir. Daniel. Et on fit sortir Daniel. Tous ceux qui sont venus accuser Daniel, qui sont venus accuser Daniel, alors jetez-les dans la fosse. C'est comme si ces lions n'arrivent plus à dévorer. Et quand on les a jetés dans la fosse, ils n'ont même pas atterri dans la fosse. Et les lions ont sauté et les ont pris en l'air, les ont déchirés. L'Éternel des armées. Non, il est un grand Dieu. Ce n'est pas une simple affaire. Nebuchadnezzar a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise. Et il a dit, mais c'est quoi? Vous refusez de vous prosterner devant ma statue. Vous ne pouvez pas vivre. Je vais vous traiter durement et vous verrez. Et on les jetait et bien liés dans la fournaise. Le feu a brûlé les cordes. Les chaînes également ont fondu.
Et ils étaient dans le feu et ils chantaient. Nebuchadnezzar dit quoi? Quand il s'est approché de la fournaise. Général. Il a dit, mon général. Combien avions-nous jeté dans cette fosse? Trois, n'est-ce pas? Meshach et Abednego. Je ne vois pas trois. Je vois quatre dans la fournaise. Et le quatrième a l'aspect de fils de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Jésus était venu dans la fournaise avec eux. Nebuchadnezzar. Alors faites-les sortir de la fournaise. Oui. Frères et sœurs. Connais ton Dieu. Connais sa nature. Connais l'œuvre qu'il accomplit. Et arrête de vivre de la sorte. Et garder la colère dans ton cœur, non. Car tu dois réussir à ton examen. Et de passer de cette classe pour une classe supérieure. Et ce que tu as fait dans la première classe, cet examen, ce que tu feras dans la classe supérieure sera plus difficile que le premier. Viens voir. La Bible dit nous sommes toujours dans le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Et ça croissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et parce que le roi ne comprenait plus rien. Mais ceux que nous avons frappés, accablés de fardeaux, et oui, on les a chargés. Et ils sont malades. Ils n'arrivent même plus à bien marcher. Et ils marchent en titubant. Voilà, sa femme est tombée enceinte. Comment sa femme a fait pour concevoir et enfanter? Mais est-ce un autre qui a couché avec elle? Parce que tous les hommes sont traités ainsi. Mais que se passe-t-il? L'Égypte craignait donc à commencer par craindre Israël. Parce que quand la chose se passait ainsi, l'Éternel se disait, ils sont en train de faire ce que je veux. Alors mes enfants vont se multiplier. Et quand viennent les choses difficiles, alors les enfants de Dieu se multiplient. Mais s'ils commencent par tenir de mauvais propos, et on coupe tout. Et la chose se coupe. Voilà. Mon frère, ma soeur, il est presque l'heure. Pardon. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Je laisse le verset 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une corvée, à une dure servitude. On les a réduits. Que ça n'a pas été facile. Parce que le travail était tellement difficile. Avant d'envoyer la main pour prendre les matériaux même, la main tremblait. Et quand il n'arrive pas à soulever les choses, on le frappe. Oui. Et on le blesse aussi en même temps. Mais il ne peut pas dire non, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit soulever. Et c'est plus lourd d'ailleurs que lui, mais il doit le soulever. Et les os de son bassin n'étaient plus en place, mais il doit aller de l'avant. Oui. Oui.
Il n'arrivait pas à poser le pas pour aller de l'avant. Et les larmes coulaient. Mais on le frappait. Alors il était obligé, dans cette douleur, de poser le pas et de marcher pour aller de l'avant. Et, et on le gifle et il tombe. On lui donne des coups de pied. Et il se relève. C'est ainsi qu'ils ont été tourmentés. Et ils ont construit tous ces lieux pour l'Égypte. C'est le programme de qui? Tu me diras que Satan qui est l'auteur de ça. Et je te dirai que tu as menti. Que c'est Dieu lui-même. Et si l'Éternel est ainsi, alors servir Dieu, c'est difficile alors. Le royaume pour lequel on t'a appelé, est-ce que tu sais de quel royaume s'agit? Quelqu'un a donné sa vie pour ce royaume. Son nom est Jésus-Christ. Et toi, tu dis quoi? Oui. Tu dois apprendre à persévérer. Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair aujourd'hui. Que les chapitres sont difficiles. Mais il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un qui est dans les chapitres. Son nom est l'Éternel des armées. Sa main est toujours élevée. Et sur ses enfants. Parce que la partie d'aujourd'hui, partout où tu te trouves, et tu es tourmenté, alors c'est une formation. C'est juste une formation. Frères et sœurs, tous ceux qui ont réussi dans la vie, et je ne suis pas contre un quelconque parent, non. Mais examine bien l'enfant d'un certain parent et que un ou deux de ses enfants sont partis rester quelque part chez quelqu'un. Et on les a maltraités. Et après, compare ses enfants à ceux qui sont restés chez leurs parents. Et regarde-les dans leurs œuvres. Frères et sœurs, ceux qui ont été maltraités, quand ils arrivent, comment? Ils sont très intelligents. Ils vont de l'avant. Ils s'élargissent. C'est ainsi que la chose se passe. Oui. Examine cette chose. Tu dois réfléchir. Réfléchissons. Les enfants, on doit les former de cette manière. Et peu de temps après, ils vont se réaliser selon le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Elagbe. Yesu. Elagbe. Tu m'envoies. Il m'envoie. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe. Yesu. Elagbe. Tu m'envoies. Il m'envoie. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe. Aïe. Yesu. Elagbe. Tu m'envoies, il m'envoie. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe. Yesu. Elagbe. Tu m'envoies, il m'envoie. Amen. Mina mia tokeda. Prions maintenant. Dis-le à Dieu ce matin. Je suis prêt. Maintenant, je le comprends. Et comment l'éducation se passe? C'est grâce à toi qu'Israël a été formé dans le pays d'Égypte. Afin que ta volonté soit faite dans leur vie. Car c'est là le chapitre dans lequel ils étaient. C'était le programme de Dieu. Et pour qu'on forme ces enfants pour lui. Et pour qu'Israël soit formé pour lui. Et pour qu'Israël arrive à recevoir ce royaume. Et vivre dans ce royaume. Mon Dieu. Continue de le lui dire. Je suis prêt maintenant.
je reçois cette formation aussi. Que je sois formé aussi. Afin de connaître le but pour lequel je suis dans ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je suis prêt à recevoir cette formation. Mon Dieu, ta main sur moi. Satan ne fera rien du tout. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ pour recevoir cette formation difficile. Afin de m'accomplir dans ce monde. Et ça t'accomplit dans ma vie. Cela manifeste dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Satan, c'est toi qui me séduis en me disant, en me poussant à tenir de mauvais propos, en pleurant, à tenir des propos souillés et contre la formation. Mais à partir d'aujourd'hui, je l'ai compris que je dois être formé. La formation est bonne. La formation est bonne. Elle me donnera la promotion. Elle me donnera la vie. Elle me permettra d'aller de l'avant. Et pour me multiplier et m'élargir. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et tu es digne de louange. C'est toi le Dieu des dieux. Et le roi des rois. Le Jésus Christ pour comme. Le nom de Jésus-Christ. Et tu l'as fait pour moi. Et c'est accompli pour moi. Toi, Jésus Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te remercions. Car aujourd'hui, tu nous as fait entendre. Et des choses concernant la formation. Ce que tu avais mis dans l'Égypte. À l'égard d'Israël. Et c'était que du bien. Quoi que eux-mêmes ne l'avaient pas saisi ainsi. Seigneur, fais en sorte que toute formation sous laquelle tu nous as mis, que nous acceptons cela avec la main et pour évoluer là-dedans et pour notre multiplication et notre élargissement. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Merci à toi. Car tu l'as fait. Tu l'as fait. Et il est manifeste le dans Jésus-Christ nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La paix de Dieu. Sa bénédiction. Vont se déverser sur toi. Et te gardera. Et te donnera la promotion. Et te donnera la science. Afin que tu comprennes tout ce que Christophe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Asomia ti hayako. Chantons ce cantique. Kanya to baba ene mianyo. Et nous allons nous dire. Amen. Awo. Awo nye afeto nyala. Wo nu ana lolo. Ye! Azia lesi mele agbela. Mano yo koda. Aezi alesi mele agbela. Oh mano yo koda. Hey, I pay now, my own year, I put on your arm. Amen. Que soit avec toi. Amen. Portez-vous bye bien. Bye. Amen. Amen. Jésus peut faire la gogo mi va mi non. Mi cara un tilara con cagio, mi cara un dolore a cuore traio.